Alors aujourd'hui, on va parler Webflow et plus particulièrement de tout ce que la plateforme a mis en place pour faciliter la vie en termes de SEO. On va voir comment l'optimiser, donc on va vraiment aller sur Webflow et je vais te partager mon écran avec quelques tutoriels hyper pratiques que tu vas pouvoir mettre en place immédiatement. Tout ceci pour bien sûr avoir une meilleure expérience pour tes clients et pour que tu aies plus de visites sur ton site internet. C'est bien tout l'objectif de cette vidéo. Alors si tu es prêt et bien installé, on va commencer cette vidéo tout de suite. Alors je t'invite à retrouver tous les extraits de la vidéo juste ici. Je t'invite à passer de l'un à l'autre quand tu veux. Les liens se trouvent juste en dessous en description. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à laisser un commentaire. J'y répondrai dès que possible. Avant de commencer l'optimisation de ton SEO sur Webflow, on va rappeler un peu les 11 facteurs influents qui vont vraiment jouer en ta faveur ou en ta défaveur. Si tu ne fais pas attention à ces points, c'est sûr que tu n'auras pas de bons résultats. Mais c'est pour ça que cette vidéo va être utile pour justement corriger ça et appliquer toutes les bonnes pratiques. Donc la première chose, le premier facteur, ça va être d'avoir un design responsive sur ton site web. Donc si ce n'est pas déjà fait, il faut absolument que tu fasses la version desktop, tablette et la version mobile et verticale et horizontale. Le facteur numéro 2, ça va être l'accessibilité de ton site web. Donc ça va être important de bien construire les pages web pour que n'importe qui ait même une déficience, puisse s'y retrouver en tapant sur son clavier et en passant d'un onglet à l'autre sans souris par exemple. On imagine des personnes qui sont tout simplement bloquées sur une chaise roulante. Il faut pouvoir qu'ils visitent ton site également. Le facteur numéro 3, ça va être la construction même de ton site internet. Donc toute la partie HTML, CSS, le nom des éléments que tu vas créer, la manière dont tu vas structurer les pages, la manière dont tu vas structurer les sections, tout ça va vraiment devoir être appliqué à la lettre par ton web designer ou par toi si tu es web designer. Ça va être vraiment, vraiment important de nommer tout ça. Et je sais qu'en tant que web designer, parfois on est un peu fainéant, mais il va falloir quand même s'y coller. Le facteur numéro 4, ça va être la connaissance de l'audience. Donc il va falloir savoir à qui tu parles et donc la communication sur ton site internet et le copywriting va devoir aller de pair avec ce que tu proposes et pouvoir parler au visiteur qui va te visiter. Donc c'est important d'y songer bien à l'avance. Et donc même si ton site est déjà publié et que tu n'as pas encore fait ce travail-là, je t'invite à retrouver tout ça dans la Web Academy avec des ressources gratuites, bien évidemment, que tu vas pouvoir retrouver. Le facteur numéro 5, c'est la compréhension des intentions de ton utilisateur. Parce que comme ton site internet, on va principalement y arriver en tapant des mots-clés sur le moteur de recherche Google, on sait que l'internaute a vraiment une intention de visiter et d'avoir l'information. Donc soit tu apportes une information, une réponse à ses questions, soit il va pouvoir trouver chez toi ce qu'il recherche et acheter du coup le service ou le produit dont il rêve tant. Le facteur numéro 6, ça va être le link building. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par link building? On entend par maillage interne et maillage externe. Donc, les maillages externes, c'est aussi appelé les backlinks. Je t'invite à retrouver toutes les infos sur l'article de blog qui voit ça en détail. Le facteur numéro 7, c'est les backlinks depuis des sites web de presse qui possèdent déjà une bonne autorité de domaine. Et donc, je t'invite à les contacter pour qu'ils puissent parler de toi d'une manière ou d'une autre et pouvoir envoyer le trafic chez toi. Le facteur numéro 8, ce sont les mots-clés pertinents. Donc, il va vraiment falloir faire une stratégie de mots-clés sur ton site internet pour avoir un langage dans le copywriting qui reprend les mots-clés que tu auras choisis et qui correspond le mieux à ton entreprise et puis que tu vas pouvoir l'optimiser au mieux. Le facteur numéro 9, ça va être l'intégration d'éléments interactifs. Et donc, je t'invite à ajouter des vidéos, des infographies, des sondages, des jeux, des quiz, des gifs, bref, tout ce qui peut rendre ton site plus attrayant. Donc, j'imagine que tu crées ton blog ou que tu as peut-être un blog ou si tu n'en as pas encore un et que tu y réfléchis. C'est vraiment important de réfléchir à rendre la lecture très agréable et sympa. Le facteur numéro 10, ça va être la lisibilité du contenu. Donc là, fais attention à ce que ce soit bien lisible. Donc, ne pas mettre des paragraphes trop gros au risque de perdre l'internaute si ce n'est pas bien structuré. Le facteur numéro 11, ça va être la sécurité de ton site web. Et donc là, le fameux HTTPS qui est activé d'office sur Webflow, ce qui n'est quand même pas rien.
Et donc, c'est important de l'activer si ce n'est pas déjà fait ou si tu travailles sur une autre plateforme, que ton site est sur WordPress par exemple, il faut l'activer manuellement chez un hébergeur bien connu, OVH par exemple. Hello, comment tu vas? Bienvenue à la AppUp Academy. Mon nom est Kevin et si tu ne me connais pas, mon nom est... Si tu ne me connais pas, je suis web designer, je travaille de chez moi à la maison et cette chaîne parle de Webflow, de design et de business. Et donc si les sujets t'intéressent, n'hésite pas à me soutenir avec un petit pouce vers le haut, un commentaire si tu as des questions et à partager la vidéo, ça me ferait le plus grand plaisir, je te remercie d'avance. Avant de rentrer dans Webflow, on va voir ensemble maintenant pourquoi c'est si important d'avoir son SEO totalement optimisé. Et donc tout simplement parce que le SEO est un travail à long terme. Il faut donc entretenir son référencement naturel de manière continue et l'optimiser aussi de manière continue et régulière. Parce qu'il permet d'attirer des clients en continu à long terme. C'est vraiment le meilleur moyen pour augmenter le nombre de trafic sur notre site internet et augmenter le nombre de chances d'avoir des nouveaux clients. Et donc ça va te permettre d'arriver premier sur les résultats de recherche et d'augmenter du coup directement le nombre de leads. Et donc ça va aussi permettre de montrer aux clients que tu existes et que ton entreprise est toujours active. C'est important de le rappeler. Et voilà, nous sommes arrivés au point que tu attendais. On va voir ensemble maintenant les 4 points clés, les 4 astuces que j'ai à te partager sur Webflow directement. Et donc je vais te partager mon écran pour que tu puisses l'appliquer de manière ultra facile. Tu verras que Webflow nous facilite grandement les choses. Donc je me retrouve ici sur le site d'un de mes clients. Et donc je t'invite à retrouver le site ici, c'est une startup belge qui travaille dans l'intelligence artificielle. Peut-être que ça t'intéresse, peut-être que tu es un futur client de mon client, donc je t'invite à le contacter. Bref, je me retrouve ici sur Webflow et donc Webflow se présente comme ça et l'astuce numéro 1 va être d'avoir un design responsive. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que en haut, Webflow nous propose la version desktop standard, mais propose aussi la version tablette, la version mobile horizontale et la version mobile verticale. Et tu vois qu'on voit vraiment le résultat final ici. Et on peut même aller dans les grandes tailles d'écran et adapter la manière dont ce sera, dont les éléments vont apparaître. L'astuce numéro 2, ça va être d'ajouter une bonne structure dans les H1. Au H6. Donc la structure sémantique ici sur Webflow va pouvoir se présenter comme ci. Donc on a les headings H1, donc c'est un H1 par page et chacune des pages doit disposer d'un H1 principal. Mais après on va retrouver aussi des H2, des paragraphes et tout ça va devoir être structuré de manière intelligente. Donc ici on a un H2, là on a un H2 et là on a un H3. Donc l'idée c'est d'avoir une structure et c'est pour ça aussi qu'on fait toujours un guide de style. L'astuce numéro 3 ça va être de mettre en évidence les pages principales. Et donc ici sur Webflow c'est assez facile de ranger si on veut, comme si on rangeait un dossier, de ranger les différentes pages entre elles. Donc on peut bloquer ça ici. Et donc du coup on peut voir les différentes pages. Et on va pouvoir même en changer l'ordre. Alors, changer l'ordre ici va pas particulièrement changer l'ordre d'importance, mais on va pouvoir y voir un peu plus clair et de vraiment structurer chacune des pages du mieux qu'on peut, ainsi que ici aussi dans la barre de navigation. Alors, l'astuce numéro 4 ne concerne pas directement Webflow, si ce n'est que si on utilise un outil comme Wiglot, qui va permettre de traduire le site, on va utiliser un sous-domaine. Et le sous-domaine, qu'est-ce que c'est? C'est comme si ici, on avait... Je vais aller sur le site officiel. Là, ici, on est sur le site. Avoir un sous-domaine consiste à avoir quelque chose qui s'indique ici. Donc ici, pour un exemple de multilingue. Alors ici, ce n'est pas le cas. Ça ne fonctionnera pas. Mais c'est l'idée d'ajouter... ici un petit mot séparé par un point et donc ça peut être aussi blog, ça peut être différentes choses, ça peut être CV, ça peut être jobs, voilà, c'est quelque chose, un sous-domaine qu'on va pouvoir appliquer pour justement distinguer le site principal d'un site annexe
grâce à ce sous-domaine. Donc c'est pas obligatoire, c'est optionnel, mais si c'est nécessaire, c'est important d'y songer parce que tout dépend de l'activité, tout dépend de l'objectif de ce sous-domaine et voilà, c'est pas toujours nécessaire de le faire, mais dans certains cas, ça l'est. Donc à réfléchir. Alors l'astuce numéro 5, ça va nous obliger à se concentrer sur comment on va nommer les pages, donc ça on a déjà parlé, mais ici on va aussi du coup optimiser les tags, les différents tags, donc le tag title et la meta description. On va l'indiquer comme suit, donc voilà, si tu veux plus de détails sur comment le faire exactement, il y a un article de blog qui en parle, où je t'invite à rentrer dans la VUEP Academy et tu verras qu'on va pouvoir y répondre avec notre expert SEO. Donc, on va pouvoir ajouter ça là et là et changer le nom de la page juste ici. Attention, si tu changes le nom d'une page, il va falloir appliquer les redirections. On y viendra un peu plus tard. L'astuce numéro 6 va être de s'occuper des redirections 301. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Donc imaginons, j'ai cette page ici, industrie, et je vais changer le nom par industrie. Et j'ai bien le slug, l'URL, je vais devoir le changer également. Et donc en faisant ça, il y a Google qui va, Webflow va nous proposer d'ajouter un lien de redirection. Alors je vais pas le faire ici parce que j'ai pas envie de mettre à mal mon client, mais donc je vais aller dans les settings du projet et donc je peux aller ici dans la partie publishing et on va pouvoir y apporter des redirections 301. Donc tu vois qu'il y en a quelques-unes, on a fait ça lorsqu'on a mis le site en ligne du client pour être sûr de ne pas perdre le référencement naturel de ce dernier. Numéro 7, ça va être de rendre son site canonique. Alors concrètement, comment ça se passe ici sur Webflow? On va dans les paramètres ici, donc dans Settings. Alors ça va se trouver dans l'onglet SEO, on va scroller tout en bas et on va ici ajouter l'URL de notre site internet. Alors c'est pas obligatoire, mais ça vaut le coup de le mettre. On le met une fois et puis Webflow s'en occupe automatiquement. Et donc l'idée c'est quoi? C'est d'indiquer à Google que le site contient un différent nombre de pages et qu'il y aura toujours marqué au début sagacify.com. Alors pour sagacify.com, c'est le nom de domaine principal, Google va s'en rendre compte, mais on imagine s'il y a blog, qu'il y a 100 000 articles de blog, il y aura toujours marqué blog slash le titre de l'article, et donc ça veut dire que Google sait à ce moment-là que blog fait partie du lien canonique, et donc ça va permettre aussi d'éviter le contenu dupliqué de Google. L'astuce numéro 8 va être d'envoyer le sitemap autogénéré par Webflow. Et donc, on va retrouver ça dans l'onglet SEO, dans la partie indexing. Et donc, on va bien cocher la case en disant que voilà, on veut indexer le sous-domaine. On veut désactiver l'indexation du sous-domaine, qui est le lien provisoire proposé par Google. On a un espace robot.txt, on y viendra tout de suite. Et ici, on va pouvoir envoyer automatiquement les différentes versions du sitemap à Google. Donc, une fois que c'est coché, c'est Webflow qui va s'en occuper automatiquement tous les X temps. Je n'ai pas de précision là-dessus, mais tu peux en savoir plus ici ou si tu veux savoir précisément quand c'est fait, tu peux aussi le faire. Sache que tu peux aussi le faire manuellement et le faire tous les jours si tu veux. Mais en général, on le fait quand on fait des gros changements sur le site internet. L'astuce numéro 9 concerne le designer, donc on va retourner dans la partie designer et donc on va créer une page 404 pour que justement, donc la page 404, pour ton info, c'est la page qui va indiquer qui va s'afficher lorsque le lien n'existe plus, que le lien est mort, qu'on dit. Et donc ici, la page 404, il va falloir l'optimiser. Alors c'est optionnel parce qu'il y a d'autres techniques qui existent. Mais donc en gros, c'est une page avec une page not found. Et on va essayer de la retravailler pour qu'elle ressemble à quelque chose de plus sympa. Alors l'astuce numéro 10, c'est ajouter un alt tag sur chaque image. Donc les alt tags vont s'ajouter ici. Donc ici, on va indiquer que c'est décoratif ou descriptif, ça dépend. Et ici, on a l'espace pour écrire icône, fusée.
comme c'est un site en anglais, on va plutôt mettre Icon Rocket. Voilà. Et idéalement, chacune des images doit avoir son propre alt image. Et donc, on a par exemple ici le logo qu'on peut aussi ajouter par ici. On va pouvoir remplacer ici le alt texte. Et donc ça, il s'agit du Sagacify logo. Ça veut dire que quand on va taper Sagacify logo, on va retrouver exactement cette image. L'astuce numéro 11 va nous renvoyer dans les paramètres, donc dans les Project Settings. On va se retrouver dans l'onglet SEO et ça va nous donner ici la possibilité de compléter le fichier robot.txt. Alors sans rentrer dans les détails, je t'invite à retrouver les infos ici ou de faire appel à ton webdesigner qui va pouvoir du coup t'aider. Et si tu es webdesigner, je t'invite à retrouver toute la partie SEO dans la PUEP Academy. Et donc rentre et tu verras qu'on sera là pour répondre à tes questions. L'astuce numéro 12 va être de l'indexation ou non du sous-domaine mis en ligne par Webflow. Donc c'est le domaine provisoire lorsqu'on crée le site web. Et donc il faut bien entendu le désactiver parce que le but c'est pas qu'il y ait un contenu dupliqué sur Google. L'astuce numéro 13, ça va être de connecter les différents outils de Google et notamment Google Analytics. Mais tu vois qu'il y a aussi Google Optimize, Google Maps. Et puis il y a même des Facebook. Alors pour Google Analytics, je t'invite à retrouver la procédure dans une autre vidéo que je ferai ou qui sera déjà disponible lorsque j'aurai enregistré cette vidéo. Mais voilà, la méthode évolue. Mais le principe, c'est quoi? C'est de mettre un code de tracking ici et en parallèle de créer un compte sur Google Analytics. Et de ce fait, 24 heures après, une fois que c'est connecté, tu vas avoir des résultats sur Google Analytics, du nombre de visites et beaucoup plus d'informations encore et très utiles sur la plateforme et sur ton tableau de bord Google Analytics. Alors l'astuce numéro 14, c'est une des plus importantes je trouve parce que voilà, c'est l'idée de créer un blog. Et donc tu vois qu'ici on a un client pour lequel on a créé des articles de blog, donc on a un onglet news et on a différents articles qui sont traités pour que justement on puisse attirer des nouveaux visiteurs et apporter une réponse à ce que les internautes se cherchent comme info. Et donc tu vois que l'idée c'est de publier régulièrement pour pouvoir apporter des solutions le plus régulièrement possible. Et donc si tu veux aller plus loin à propos du SEO, je t'invite à rejoindre la APUEP Academy avec le lien juste en dessous. Tu verras que je te mets à disposition un guide complet du SEO avec une checklist des 14 choses à faire. Je t'invite à rentrer dans l'académie et puis tu verras que tu vas pouvoir être guidé pour télécharger la ressource 100% gratuite. Alors pour optimiser son SEO sur Webflow, il va falloir le faire en étapes. Et je t'invite à écouter les 5 prochaines étapes que j'ai à te proposer pour que justement tu puisses faire tout ça dans l'ordre. Alors, la première étape, ça va être de générer une liste de mots-clés qui correspond au questionnement de ta niche. Et donc, il y a différents outils qui sont pour ça à ta disposition. Tu vas pouvoir utiliser par exemple des Keyword Tools ou Answer de public pour justement faire des recherches sur une niche bien particulière que tu auras décidé de creuser. L'étape numéro 2, ça va être de crawler ton site pour l'optimisation technique. Donc, il faut te rendre compte que Google, c'est un robot. Et donc, s'il ne comprend pas comment ton site est construit, s'il ne comprend pas exactement comment ce que tu fais, il va falloir y remédier. Et ça, le plus vite possible. Et donc, c'est l'outil crawler qui va te permettre de le faire. Et donc, il y a des spiders. Donc, je ne vais pas rentrer dans le contenu tout de suite parce qu'il y a un autre article qui en parle plus en détail. Mais donc, il va falloir une bonne structure des balises. Il va falloir les méta-titres, méta-descriptions, tout ça bien aussi. Les URL, les canoniques, enfin tout ça. Dans les optimisations des 14 points que je t'ai proposé là tout à l'heure, ça va devoir être appliqué. L'étape numéro 3, ça va être d'améliorer sémantiquement son texte. Donc,
le vocabulaire que tu vas utiliser, l'orthographe, la thématique, les mots-clés, enfin tout ça va devoir vraiment être réfléchi en amont pour proposer une réponse aux internautes la plus complète possible. L'étape numéro 4, ça va être d'analyser les backlinks et en ajouter, si ce n'est pas déjà fait. Les backlinks, pour rappel, ça va être de demander à d'autres sites internet d'écrire des articles sur nous, à propos de nous. Comme ça, Google va se rendre compte que, bah, tiens, il y a d'autres personnes qui parlent de nous, donc potentiellement, notre site est important. Et l'étape numéro 5, ça va être de suivre son positionnement et celui de ses concurrents. Et pour ça, il y a un super outil magique qui existe. Et je t'invite d'ailleurs à utiliser le lien qui se trouve en dessous de la vidéo pour un essai gratuit de 30 jours. Et donc, je parle bien entendu de SEMrush, qui est mon outil favori. Après, il y en a d'autres, j'en parle également, je les mettrai en description. Voyons maintenant les 10 questions à se poser pour démarrer l'optimisation de son site internet Webflow. Alors, question numéro 1, comment est-ce que tu décris ton activité? Donc, il faut y répondre de manière claire et limpide. Question numéro 2, quelles sont les principales missions? Question numéro 3, quelles sont les expressions et les mots-clés que tu souhaites associer à ton entreprise? Question numéro 4, quels sont les objectifs de ton entreprise? Question numéro 5, quels sont les éléments qui permettent à ton entreprise de se démarquer de la concurrence? Question numéro 6, quelle est ta niche? Question numéro 7, quelles sont tes offres? Question numéro 8, quels sont tes concurrents? Question numéro 9, quelles sont tes ressources? Question numéro 10, as-tu déjà effectué un audit SEO? Et si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à me contacter en rentrant dans l'académie parce qu'on a un expert SEO qui est à ta disposition si tu souhaites faire un audit SEO de ton site internet. Alors on va finir cette vidéo avec mes 9 conseils pour optimiser au mieux et son SEO sur Webflow. Et donc on va commencer avec le conseil numéro 1 qui est de mettre un point d'honneur au responsive design. Donc c'est la version mobile, on l'a vu précédemment en détail et même avec la vue de Webflow même, que c'est très facile d'avoir la version mobile, la version tablette pour ton site internet. Conseil numéro 2, réduis le temps de chargement de ton site internet. Donc là, ça va être tout le travail de l'optimisation des images, du code, de la structure pour que le chargement se fasse le plus vite possible. Sachant aussi que les performances de Webflow sont optimales, tu vas devoir quand même optimiser tous ces éléments au mieux. Conseil numéro 3, optimise tes balises et métadonnées. Donc métadescription, métatitre, pour que justement ce soit bien structuré. Conseil numéro 4, créer un contenu qualitatif et personnel. Donc rien ne sert de faire comme tout le monde, autant y mettre sa touche personnelle et même y ajouter un peu d'émotion. Pourquoi pas, ça peut vraiment faire la différence. Conseil numéro 5, optimise le référencement de ton contenu avec l'accompagnement SEO par exemple. Conseil numéro 6, évite au maximum le duplicate content, donc surtout jamais copier-coller quoi que ce soit et jamais dupliquer du texte tel quel sur une autre page. C'est vraiment dommage ou alors il faut indiquer à Google avec l'URL canonique. Conseil numéro 7, crée un netlinking performant on-site et off-site. Donc off-site, ça va être toutes les backlinks et on-site, ça va être toutes les pages entre elles de ton blog par exemple. Conseil numéro 8, sois présent et partage ton contenu sur les réseaux sociaux. Si tu ne partages pas ton contenu, on ne saura jamais que tu existes et on ne saura jamais tous les services que tu proposes. Conseil numéro 9, utilise des outils comme Google Analytics et Google Search Console pour justement monitorer tout ça et avoir la main sur tout ce que Google considère de ton site internet et de ton activité en ligne. Et voilà, je te remercie vraiment infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'en ai une autre à te proposer qui se trouve juste là ou là. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire. Si tu as la moindre question, n'hésite vraiment pas. Et comme je le disais aussi, rentre dans la PubApp Academy. Tu auras des ressources gratuites. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous. Voilà, on se voit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je te dis salut, ciao ciao.